Ouais, je vois, c'est pas mal là. Elle est vraiment bien cette application de rencontre, hein, dis donc. Oh ouais, c'est vrai, il y a cette fille là. Elle a un super beau feeling, elle a un bon feeling avec moi là, on s'entend bien, je lui envoie masse message. Oh, tiens, elle veut mon numéro. Ah bah tiens, vas-y, hop, je t'envoie mon numéro. Et on va voir le reste. Ah, c'est vraiment. Il y a vraiment des filles jolies hein, sur ce site. Allô? Hello? Ouais, salut. Je voulais ton numéro parce que j'ai trouvé grave beau. Et tu sais, moi, je suis une fille romantique, donc j'adore avoir un petit ami. Je déteste cette célibature. Toi? Bah ouais, moi, enfin ouais, tu vois, vu que je voyais qu'on avait un bon feeling, bah du coup j'ai accepté, tu vois. Mais genre, ouais, moi aussi ça va, et toi? Ça va, merci. Et d'ailleurs, en parlant de bail romantique, je voulais te proposer, je connais un endroit hyper beau à la belle étoile, camping, trop beau, version très romantique, j'adore cet endroit. Tu pourrais venir avec moi ce soir, pour aller se regarder un Bah, film. ouais, pourquoi pas, moi aussi j'adore les bails romantiques. Tant mieux, parce que sinon, en fait, je te plaque. Ah ouais, je vois. Bah du coup, ce soir à quelle heure? Vers 19h? Ok, bah pas de soucis. À tout à Ok, l'heure. à tout à l'heure, grrr. Je vais voir s'il est chez lui. Et moi, j'ai une petite faim là, quand même, déjà. Toc toc toc. Ah, salut! Ça Hey, salut, ça va et toi? va? Ouais, ça va. Alors, je viens voir mon collègue de travail. Je sais que c'est Vas-y, ta tu peux journée rentrer, off. vas-y. Ah bah merci. Oula, ouais, t'as Ah failli oui, être là. coincé dans la porte. Ah oui. Hein. tu sais, le chef, il a dit que tu devais perdre une quinzaine de kilos là, hein, parce que bon, pour ton service, hein, c'est pas terrible, hein. Mais j'adore Ouais. les donuts, voyons. Ouais, je sais bien les donuts, mais bon, hein, et oh, faut se remettre en forme là. Bon, vas-y, Ok, bah ce ok. soir, tu te rappelles, on avait prévu sushi là, sushi time et tout. Ouais, je Tu vois. t'avais perdu le pari la dernière fois là. Bah ce soir, moi, je suis chaude hein, de passer pour manger sushi après le service. Bah, le truc, c'est que tu vois, là, ce soir, ça va pas trop être possible, parce qu'en fait, tu vois, grâce à l'application Tinder, bah, en fait, j'ai eu un date et tout, et je vais aller dans un camping et tout, avec elle et tout, tu vois, à rencontrer tout, tu vois, et date et tout. Ok, mais attends, tu vas dans un camping? Attends, c'est la première fois que tu la vois? Bah ouais. Et genre, t'as pas peur comme ça d'aller dans un camping avec une meuf que t'as jamais vue? Non, tu sais, de toute façon, moi, je suis un mec et tout, j'imposerai tout, t'inquiète, je verrai, y a pas, t'inquiète. Ouais, c'est chaud quand même, un camping et tout, en pleine nuit en plus, avec une inconnue. Ah, moi j'aurais peur. Mais bon, hein, si c'est toi, de toute façon, ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Ouais, c'est dommage, Ouais, hein. ouais. Ouais, c'est pas grave, hein, de toute Bah, on façon. reporte ça, si tu veux, je sais pas, moi, dans une semaine. Comment ça, dans une semaine? Moi, demain, je me ramène et tu m'achètes mes sushis. T'as perdu le pari, oublie pas. Hein? Ok, Ouais, ok, ok. comme ça, demain, tu me raconteras le date. Hé. Hey. Vas-y, vas-y. Vas-y. Oh bah tant pis pour moi. Bon, sache que je suis quand même Ouais. extrêmement déçue de pas manger les sushis ce soir et que tu me laisses tomber T'inquiète. pour une meuf que tu rencontres sur Tinder. Hein, je suis un peu déçue, mais vas-y. Attends, toi c'est les meufs avant les potes, hein. Ok, c'est bon, je retiens. Vas-y, à demain. À demain, J'espère que ouais. c'est une psychopathe, hein. Non, je rigole, t'inquiète. À demain. Ah quoi? À demain, ouais. Par contre, il va falloir que je mange un maximum de sushis parce qu'il va reprendre 15 kilos sinon. Allez, c'est parti. Ah. Ah, ça, là, je suis trop content, je suis trop fait. Je sens que. Oula, non, je suis trop bête porte. Ah non, à l'aide. Je sais plus rentrer dans ma voiture. Oh là. Ah, j'ai hâte. Ah, bah. Dis donc, c'est là. Ah. Tu montes, ma petite princesse, ou je t'ouvre la porte? Tu m'ouvres la porte, j'ai la flemme de l'ouvrir. Vas-y, tiens, hop, je t'ouvre la porte. Voilà, c'est bon. Merci. Allez, let's go. Ah.
C'est ta voiture, c'est ça. Hein. Ah ouais, ouais, mais ta voiture, elle est magnifique, en fait. Ouais, t'as vu, hein, je l'ai payé super cher et tout. Genre, ça m'a payé une blinde. Ah, voilà, je c'est m'en là. Fous. Ah, ah oui, ah oui, c'est là. Hop, attends, on va tourner. Yeah, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est en haut. Hop. Ouais. On va aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah. Bon, je sais pas ce qu'il veut, mais t'inquiète, vas-y, bouge pas. Ah, ma petite princesse. Hop. Sûr. Je vais voir ce qu'il veut. Ouais, t'inquiète pas, je vais voir ce qu'il veut. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce oui. que vous pourriez décaler votre voiture? Parce que on aimerait bien passer, s'il vous plaît. Là, monsieur, vous êtes sur une propriété privée. Vous ne pouvez pas passer, je suis désolé. Ah, mais en fait, le... Ah bah d'accord, mais en fait, le truc, c'est que vous voyez là, j'ai un date avec cette magnifique princesse qui est en côté passager dans ma magnifique voiture. Enfin, voilà, vous connaissez. Ah oui. Mais ah oui. En fait, vu que j'ai un date et tout, on va aller au camping, à la Belle Étoile pour se draguer. Enfin, voilà quoi, c'est, vous c'est magnifique. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je m'en fous, vous passerez pas. Monsieur, voyons. C'est ma priorité. Ouais, là, mais vous monsieur. Êtes en... Ah, mais le truc, monsieur, c'est que, vous voyez, on aimerait juste passer. Juste, s'il vous plaît. C'est juste. Est-ce que vous pourriez juste décaler votre voiture? Alors, vous dégradez rien. Si vous dégradez, ça va pas être bon. Ah, vous dégradez rien. Bah, ouais, mais le truc, c'est qu'on aimerait rien passer en fait. Vous allez passer, ok. Vous allez passer. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, voilà. Voilà, hop, on va s'arrêter ici. Vas-y, tu peux descendre. Et hop, dis donc, c'est pas trop tôt. Ah, le gars, il voulait quoi tout à l'heure? Bah, en fait, il disait que c'était sa propriété, etc. Ouais, mais et genre, moi, j'étais en train de l'engueuler parce que, en fait, fallait qu'on passe et tout, etc. Mais genre, il voulait pas, du coup, bah, à la fin, je lui ai dit que t'es tout trop magnifique, etc. Et puis là, d'un seul coup, bizarrement, il a accepté, hein. Ah, moi, je sais pas si vous voulez te prendre. Un porcos, c'est un porcos, en fait. C'est ça. C'est un gros porc. I'm Norman, fais des vidéos. T'as raison. Enfin, voilà, du coup, je t'expliquais par rapport au fait que... C'est pas possible à la fin. Mais il vient toujours comme ça. C'est un vrai guet-apens. C'est votre propriété, je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais vous dépouiller. Non. Vous calmez tout de suite. Je suis officier de police, vous vous calmez. C'est bon, je me calme, je vais m'enfuir. C'est ça, partez. Et démarre, plus vite. Y'a pas assez d'essence dans la voiture. Mais je m'en fous. Tu m'as pas dit que c'était un policier, ce mec. Mais attends, mais je savais pas, moi. C'est bon, ça démarre. Wow. Non. Revenez ici. Non. Oh, c'est pas possible. Faut que j'appelle des renforts. Hop. Ah, voilà, c'est bon. Allô, le 911. Allô. Attends, c'est toi, Jérôme? Oui, c'est moi. Alors, ton date, ça se passe comment? Bah, en fait, là, j'ai un énorme problème, en fait. C'est que j'étais au date et je viens d'assister à un énorme guet-apens. Ah ouais. Et dis-moi, et comment t'aider? J'aimerais bien que tu m'envoies une unité de secours, là, tout de suite, parce que... Enfin, une unité de police, parce que là, faut s'occuper du truc. C'est une camionnette noire. La truc d'immatriculation, je sais pas du tout c'est quoi, j'ai pas pris le temps de regarder, ils sont partis beaucoup trop vite. Ok, dis-moi, t'es où là? Faudrait que tu m'envoies. Là, je suis au camping, je suis au camping. Et ils sont partis, mais ils sont toujours dans le camping. Ok, bah écoute, ne fais rien de stupide, reste sur place, je vais envoyer quelqu'un, d'accord? Ok, let's go. Je vais les attendre. J'ai suspect en visuel. Mais Jérôme, mais qu'est-ce qu'il fout là? J'avais dit de pas bouger.
ce van et il va terriblement vite. Je vais essayer de le choper par ce côté-là. Il est là. Il est en visuel. Je vais l'attraper. Quoi? J'ai oublié de mettre de l'essence dans ma voiture? Oh merde, je suis en train de caler. Non. Non, j'ai perdu. J'ai perdu le van. Mais c'est qui le pèlerin là qui a pris ma voiture de service avant moi et qui n'a pas remis l'essence? Oh non. Je dois rappeler... Oh bah tiens, Jérôme. Oui, qu'est-ce qui se passe? Écoute, t'as calé, j'ai calé, ouais, j'ai plus d'essence. J'ai perdu le van, mais ne t'inquiète pas. Il y a une autre... Pierre, monte dans ma voiture. On va aller le chercher. Ok. Allons-y. De toute façon, il y a une autre unité sur le coup, ne t'inquiète pas. On va retrouver ce van. Ok. Ok, c'est bon. Oula. Hop, c'est bon. Ah bah tiens, écoute, on a retrouvé le véhicule suspect, hein. Il était vachement noir, hein, le véhicule, hein. Ouais. Ouais. Bah écoute, on n'a pas retrouvé les suspects. Hein, ouais. On a, d'après ton portrait robot, on a fait un avis de recherche pour ces deux personnes. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais par contre, je ne sais pas quelle attention ils avaient envers toi. Mais heureusement que tu n'es pas, enfin que tu t'es pas fait avoir par ce guet-apens, parce qu'à l'arrière, regarde, regarde, il y a du sang séché partout, et il y a du scotch, il y a des couteaux, il y a des produits inflammables. Ah ouais, moi aussi, ça me fait m'envoler. Ah, allez, je pense que tu as évité le pire. Et, ah oui. Il va falloir que... Allez, que j'ai mal. Que l'on retrouve ces suspects. Voilà. Oui, en tout cas... C'est un devoir, là. Faut les mettre en priorité sur la piste des enquêtes. Et au plus vite. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est... évite les rendez-vous Tinder, hein, d'accord? Pendant ces prochains mois. Ouais, je vais aussi aller perdre quelques kilos, parce que bon, c'était un peu compliqué de les rattraper, hein. Ouais. Même et la voiture, elle supporte pas à l'arrière de tes fesses, fake. Là. Le petit dard que t'as au fiac, là. Franchement, on va voir un chirurgien esthétique qui enlève-moi ça. Désolé, c'est... C'est génétique, d'accord. C'est un tricératops, là. Chut. Bon, allez, je ramène le van à la centrale. Ok. Thank you.